Elisabeth. On connaîtra là, tous les détails vers 12h30. Voilà, mais ce que l'on sait, c'est que ce projet de loi là, concerne le recouvrement du coût des soins de santé liés aux opioïdes. Donc, en quelque sorte, Marianne, Québec veut se donner les moyens de s'ajouter à cette action collective déposée par la Colombie-Britannique en 2018. Depuis, il y a plusieurs provinces là, qui s'y sont ajoutées, mais pas Québec encore. L'action collective, là, ce qu'elle vise, c'est une quarantaine de compagnies pharmaceutiques à qui on reproche finalement d'avoir banalisé les effets néfastes de ces médicaments, des opioïdes, ce qui a eu pour effet, dit-on, des dépendances, des hospitalisations, des cas de surdose. On sait que la crise des opioïdes préoccupe énormément. On vous en parlait encore il y a quelques semaines. On apprenait à Montréal qu'il y a eu une augmentation des cas de surdose non mortelle. Un peu plus tôt, en entrevue avec mon collègue Mario Dumont, on a entendu Jessica Turmel commenter donc le dépôt de ce projet de loi. Écoutez-la. On parle d'à peu près 21 décès par jour là, en moyenne au Canada. C'est extrême. Il faut cesser de se voiler la face par rapport au fait qu'on on a dans notre société plusieurs produits qui sont possiblement très nocifs. Et c'est important de donner de l'information. C'est important de réaliser les erreurs qu'on fait, comme on le fait par exemple pour la cigarette. Par contre, ce n'est pas suffisant, mais c'est une mesure qui fait partie du chemin qu'on doit prendre, là. Donc, conférence de presse du ministre responsable des services sociaux, c'est prévu à 12h30. On va bien sûr suivre la conférence de presse et vous revenir, Marianne, un peu plus tard là, avec tous les détails. On ira faire un tour d'ailleurs en direct. Merci beaucoup, Elisabeth. Au revoir.